je suis Kani, Kani Diarra, présidente de l'association Sigilia à Pobigny. Je suis balbinienne, franco-malienne, voilà, balbinienne d'abord. Voilà. Sigilia fait plein de choses, beaucoup de choses, surtout avec les enfants. Sigilia est vraiment créée pour vraiment l'épanouissement des enfants, des mamans aussi bien que des enfants. Sigilia même déjà, c'est la langue Bambara. C'est une langue, c'est dans la langue Bambara qui veut dire le mieux vivre, l'entente, la solidarité, tout ce que vous pouvez comprendre dans la vie qui, du bon côté. Sigilia est là pour ça. Quand on dit Sigilia, on a un local, là où on fait beaucoup d'activités aussi pour les enfants, notamment l'aide aux devoirs. Accélérer. Donc, on s'est dit, avec l'association, on va se trouver tous les mercredis après-midi, obligés. Il faut qu'elles viennent, il faut qu'ils viennent, garçons et filles, il faut qu'ils viennent dans le local, on vérifie. Parce qu'à chaque fois que tu demandes à un enfant, on est tous passés par là. T'as pas de devoir? Non, 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 j'ai pas de devoir. Mais c'est faux. Ils ont toujours quelque chose. Donc, c'est obligatoire. S'il n'y a pas de devoir, viens au local, il y a des livres. Tu prends ton livre, tu lis. Ça, ça aide beaucoup. C'est pas souvent, quand ils n'ont pas trop de devoirs, on fait aussi l'atelier de cuisine. J'ai un four ici, ma mère on fait un peu de gâteau, comme c'est tout le monde, chacun ramène sa recette, ils font leur gâteau, et en même temps, on fait le goûter dans le local. Elles font leur gâteau, elles le mangent dans le local. Et puis, à 18h, 19h, c'est bon. Tout le monde rentre à la maison. Au moins, on sait qu'ils ont une activité. Les enfants adorent, quand ils viennent dans le local, c'est leur plaisir. Sincèrement. Donc pour ça seulement, ça me fait plaisir de continuer et d'avoir plein de projets pour Sigilia. On a plein de projets en vue, mais petit à petit. On est toujours à la recherche de bénévoles. Tout bénévole qui peut nous aider, qui peut nous donner un coup de main, ça se passe les mercredis après-midi de 16h à 18h. Personne qui veut s'engager, n'a qu'à s'engager. De toutes les façons, Bobigny, c'est notre vie. C'est notre ville. Bon, moi je me suis pendée à Bobigny, mes enfants ils sont là. Les enfants que j'ai aujourd'hui qui sont là, dans le local, là, ils sont tous nés devant moi ici à Palau. C'est des Balbiniens. Donc, projet pour Bobigny, on va tous se battre pour que Bobigny aille de là-bas. Tout le monde préfère ça que ma cité aille de là-bas.